Je m'appelle Fabienne Delcambre et donc directeur général de Le Mans Métropole Habitat depuis maintenant presque 13 ans. C'est un office public de l'habitat sur la métropole du Mans, donc plus de 230 000 habitants et nous logeons à peu près 30 000 habitants. On est le premier bailleur social de la métropole. Johan Joubert, responsable de l'unité communication au sein de Le Mans Métropole Habitat. L'objectif de l'office, c'est effectivement de construire, de louer, de réhabiliter, mais pas que, bien sûr, puisqu'on est un office public de l'habitat et c'est tout l'intérêt de cette entreprise. Public, c'est d'être au contact des locataires, être dans la proximité. 270 collaborateurs, 70% sur le terrain. C'est un réseau énorme en fait sur la métropole, ce qui donne un intérêt particulier à nos métiers du logement social. Un chef de projet informatique à Le Mans Métropole Habitat, c'est déjà quelqu'un qui va s'intégrer dans une équipe existante. Quelqu'un qui aime travailler en équipe, partager l'information, qui, lorsqu'un de ses collègues est peut-être à un moment plus mobilisé sur un projet, viennent spontanément l'aider, soit dans l'écoute, le travail transversal encore une fois, mais également la solidarité. On veut consolider cette équipe qui est déjà très cohérente et solide. Rejoindre nos équipes, c'est participer à cette grande construction de la ville, c'est participer aussi à l'animation de la ville, c'est participer à toutes les actions publiques que l'on peut mener et les actions sociales. C'est aussi contribuer au professionnalisme du logement social. Rejoindre Le Mans Métropole Habitat, c'est souhaiter intégrer une équipe dynamique, une entreprise dynamique qui est en évolution positive depuis de nombreuses années, avec des projets innovants en termes de construction de logements sociaux. On doit développer des outils connectés, par exemple, pour la surveillance de notre patrimoine. Donc voilà, c'est de se dire qu'on n'est pas dans une entreprise statique et vieillotte, bien au contraire, et on surprend beaucoup nos nouveaux recrutés.